Salut Kita, moi c'est Romaric, j'ai 37 ans et je fabrique des bornes d'arcade. L'envie de créer cette société, c'était juste parce que je faisais ma propre collection de jeux rétro gaming, donc tout ce qui est Game Boy, Nintendo NES, Super NES. J'ai eu l'occasion de croiser directement une borne en magasin, en dépôt vente, une vieille borne, et je me suis dit pourquoi pas en créer une pour mettre chez moi. Et de là, j'ai fabriqué ma borne d'arcade. J'étais magazine automobile à l'époque. Je pense que c'est le déclic qui a fait que j'ai fait des bornes d'arcade. C'est parce que mon épouse a eu l'idée de prendre en photo une borne d'arcade. Quand elle l'a mise sur internet et que j'ai eu des personnes intéressées, je me suis dit bon, il y a un créneau à se faire. Et quand je suis arrivé, c'était au bon moment, c'était il y a 6 ans. Donc j'ai eu le temps de faire ma place dans le monde de l'arcade. Tout ce qui est rétro gaming revient beaucoup à la mode. On est sur la période où les gens des années 80, 70, 80 ont connu ce genre de machine dans les cafés et ils veulent ça chez eux. J'aurai les jeux en 3D, les jeux de bagarre, les jeux d'action, tout ce qui est sport et puzzle. On va avoir tout ce qui est Tetris, Pac-Man, Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. Pour les terminer, il y en a pour une paire d'heures de jeux. Ça sera comme un peu un meuble Ikea. Hein. On aura les petits morceaux de bois qu'on vient mettre dedans, qui viennent s'ancrer. Et là, en fait, on aura les espaces pour ancrer les vitrages. Et c'est monté. Et après, c'est tout l'électronique qui vient s'ajouter pour la conception du projet. Et je travaille avec beaucoup de corps de métier comme et beaucoup aussi de sociétés dans le Nord. J'essaye aussi de faire travailler les amis. Ça fait de la main-d'œuvre française. Alors ça, c'est une commande spéciale. Elle a été demandée par la gendarmerie nationale. J'ai eu le plaisir de participer à une borne qui va être offerte lors d'un loto qui sera dans les prochains mois. Et j'ai un appel un dimanche à midi et cette personne me dit « Salut, c'est Fabien, comment tu vas ?» Et il me dit « C'est grand corps malade, je suis devenu blanc. » Donc grand corps malade pour une borne qu'il offrait directement à Quentin Mosimane pour leur album Mesdames.